Hop là, on est parti pour la VOD sur Dead Island 2. On a découvert la dernière fois il y a une semaine du coup en stream avec Zilo. C'était très cool. Malheureusement, il ne sera pas des nôtres ce soir, mais je continue le jeu parce qu'il est vraiment cool. Et je vais peut-être mettre ma cam en plus petit. Parce que je pense que quand même, l'important, c'est un peu le jeu. Pas ma grosse tête. Voilà. Je me rappelle plus de rien, mais on était... Merde. Alors, est-ce que le son du jeu est très fort? Un peu, ouais. Mais j'ai dû mettre à fond, c'était très bas. Donc là, je baisse. Est-ce que là, c'est correct? Est-ce que le son du jeu, là, il est correct? Il est un peu fort, peut-être. Bon, vous me dites si c'est trop fort. Moi, j'aime bien que les jeux comme ça, ça nous pète un peu dans les oreilles. Genre qu'on ait vraiment pas le temps de comprendre ce qui se passe, mais qu'on entende surtout. Qu'on entende le sang gicler jusque dans le coin du lobe. Comprenez? Comprenez ou pas? C'est important. Je dois aller faire quoi? Je pense que ça veut dire qu'il comprend. Je viens d'arriver là, on est... Est-ce qu'on a une map? Je me rappelle plus. Ouais. Ah puis elle est lisible en plus. Bon, on est à Beverly Hills quoi. En gros hein. En gros on est à Beverly Hills, ça je me rappelle. Par contre il fait nuit et c'est très dommage. Parce que les décors sont quand même super stylax. Quand il fait jour. Attendez, faut que je me rappelle. Je me rappelle plus comment parer, comme ça. Parce que mon perso, il a une capacité où genre c'est vachement bien quand je pars. Ah ouais, oh la roue des raccourcis qui est trop bien. Oh, je prends le katana. Oh la vache, ils sont forts pour moi. Le son est bien pour moi, ok merci. Moi je vais être plus fort pour moi. Je crois que c'est parce que j'entends trop bas moi, de mon côté. Et du coup, j'ai tendance à mettre peut-être un peu plus fort pour vous. Les huttes qui crament la nuit, c'est beau. Voilà, regardez, c'est ça que je devais faire. Vous avez vu, là, j'ai fait un parage parfait. Merde! Et là, je me la pétais. J'aurais dû juste... Voilà. Je vais essayer de m'entraîner à ça. Apparaît parfaitement. Mais quand les zombies arrivent un par un, c'est ok. Quand ils sont genre 2 millions, c'est plus compliqué. Oh, on est dans une loge. Oh, ses jambes, elles se sont fait éclater. Étoffe. Je vais aller chercher quelqu'un, je crois. Mais je me rappelle plus trop. Ça fait une semaine, malheureusement, je suis en vacances. Alors, j'ai tout oublié. Est-ce que j'enlève le chat? Ouais, je vais enlever le chat, c'est moins immersif. Désolé le chat, vous ne vous verrez plus. Hop là. Mais je crois qu'ils sont tous trop forts pour moi. Je crois qu'en fait... Vous voyez, ils sont tous en rouge. Level 9. Je vais y aller vraiment... Je vais aller avec prudence. Un truc a explosé à côté. C'est moi qui l'ai fait exploser, mais attends, je suis super loin. J'ai éternué dessus, ça a explosé. Bon, ça va, ça m'a pas fait de dégâts. Je commençais à râler. Je crois que j'ai raté mon coup chargé. Oh, le parage parfait, j'y arrive trop bien. Et là, il y a un truc qui a explosé encore, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais ça va en vrai. Hein. En vrai, les mobs rouges, là. Osef, hein. Ah, par contre, là, je peux électrocuter des trucs. Ouais, mais je risque de m'électrocuter moi aussi, c'est chiant. Enfin, je risque de m'électriser.
Comme d'hab, on loupe tout. Ah, ça c'est une... Ok, une table de craft. Ah, j'ai une arme niveau 9. Ah, vous le voyez pas, mais c'est derrière ma grossette. Là, exactement, il y a une arme niveau 9. Hello, Lit. Tes souhaits. Ouais, éternuement fut un peu fatal. Fabriquer. Oh, je vais faire des kits de soins. Mais j'ai toujours pas d'autres plans, par contre. C'est normal. Je peux réparer. Voilà, je vais réparer tous mes trucs principaux. Et amélioration. Qu'est-ce que c'est? Mode mutilateur au corps à corps. Ah, par contre, ça me fait... Ça descend ma puissance. Moi, je veux avoir la puissance. Faudrait que je teste sur autre chose. Un mutilateur. Alors si je mets là-dessus. 160. Mais c'est pas intéressant le mutilateur en fait, c'est un peu à chier, non? Enfin c'est un peu... Genre c'est décevant quoi. Testez sur la matraque le mutilateur. Ah je peux pas. Perforateur. Perforateur? Avec un truc contondant? Vas-y. Ça n'a pas de sens, mais vas-y, je fais. Et je peux mettre un renfort. Puissance à la page. Ok, c'est bien ça. Là, j'ai un truc qui fait saigner. Un truc électrique, un truc qui brûle, un autre truc qui électrique, un truc qui... fait mal. Je dirais. Ok. Ah mince, mais fallait que je vire des armes en vrai. Parce qu'il y a des armes, on s'en fout. Genre ça. Ça, je vais faire récupérer. Ah, mais il y a des... Oh ça je... Hein, voilà. Ça aussi c'est littéralement un truc en bois. Et du coup... Et du coup on peut mettre à niveau. Genre si je fais ça. Égalisation de niveau. Ah j'ai pas assez de moula. Ah ça me demande foutu une quand même. Faudra que je vende des trucs. On va pas égaliser, de toute façon je suis déjà giga forte, je pense. J'entends un moteur, non? Ah non, c'est la flotte. Ok. Bon, je continue à fouiller, hein. C'est bon. Attendez, j'essaye de parer. Ah, j'y arrive pas. Mais déjà, j'ai pas mon arme là. Il faut un truc qui électrise. Oh, je l'ai défoncé. Attendez. Faut que j'ai un truc qui... Voilà. Ça va, c'est géré. Hello, Fernalou! Luxou, t'es avec nous! Comment que tu vas? L'étoffe. L'étoffe, ça me sert à... Mais pour le moment, il y a trop de compos qui me servent à foil, j'ai l'impression. Attends, viens dans l'eau. Ah ah. Mais elle est dans l'eau là.
Rigolo. J'aurais dû m'en faire des soins. Est-ce qu'il y a trouvé hein. Alors, faut que je vois s'il n'y a pas des clés cachées ou des coffres cachés ou des clés pour des coffres. Oh, des goodies. Je peux avoir ça? Oh, j'aurais trop la classe avec ça! Je peux pas avoir la ceinture! Ça dégoûte, c'est quoi ça? Space Fox, le flux en direct. Non. Oh non, je vais encore entendre mon truc. Non, ça va? Je croyais que j'allais. Je croyais que j'allais encore entendre une, un truc vocal et ça allait être très chiant parce que ça allait me piaffer dans les oreilles et j'allais péter un câble. C'est la PGW. Ça sera TwitchCon bientôt là. Ça ressemble à ça. Oh, je peux passer par là. Non mais là je m'en vais de ma mission un peu là en vrai. Oh. Je dis wow. Comme si quelqu'un me parlait. Merci beaucoup Trap. Tiens nombre indécis de sub à ma chaîne et je pense qu'il le regrette à chaque fois qu'il resub, mais il le fait quand même. Merci beaucoup à lui pour ce soutien de 50 motherfucking months. Merci beaucoup, merci Trapul. Trapul sera avec nous demain pour Unrailed s'il a pas oublié. Il me semble que c'est ce que j'ai vu. J'ai vu Trapul, j'ai vu Jox, j'ai vu Minj. Voilà. C'est quoi? Ah mais il se vend. Ouais c'est ça, faudrait que je vende tous les trucs un peu bien comme ça. Même pas vrai. Même pas que c'est possible d'avoir autant de moi. Oh bah tu peux avoir autant de moi que depuis le jour où les subs ont été créés sur Twitch. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible. Oh. Ah, Jerrycan, ça pourrait être intéressant. Ouf, ça pourrait être intéressant, oui. Oui. Mais après, on verra. Est-ce que je peux ouvrir le camtar? Non. Allez, on va ici. Oh, tout. Je suis prise vraiment très mal. Je veux dire sur ta chaîne. Je veux dire que tu streams depuis plus de 4 ans. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis ce qu'on appelle une acharnée. Whoa, okay. Même si... This is really fucking true. Même si c'est pas forcément une bonne chose. Plus ça paraît, mais quand il y a qu'un seul zombie comme ça, vraiment on peut le gérer très facilement. Même s'il est un peu haut level. Mais quand il y en a un comme ça, bah c'est le moment de m'entraîner à avoir le bon timing. Détachement sur la raie des projecteurs. Ok. Mais attends, ça n'a rien à voir avec ma mission, ça. Explorer plateau. Ah bah si. Complètement que si, en fait. Des joncteurs, comme d'hab. Oh, ça l'a fait exploser. Je viens de là. Oui. Mais est-ce que j'ai bien fouillé? Oui. Mais il y a ça. Il n'y a rien derrière. Ok, on se casse. Quoique, là je peux monter. Ah, je peux monter. Ah, mais j'avais pas bien exploré du tout en fait. Oh, il était où le machine? J'oubliais, je marchais au hasard.
là-bas. Il y a un énorme projecteur lumineux qui du coup est allumé, on ne sait pas comment, hein. Vu qu'apparemment il n'y a pas de... Il n'y a pas de disjoncteur et tout ça, il n'y a pas de courant. Mais ça, ça, je t'ai fait. Merci pour les tips, merci pour ton message par rapport à Genshin tout à l'heure. Très gentil. Il y a une arme qui brille. Il y a une arme qui brille. Parcours. Il y a une arme qui brille, il y a une arme qui brille. Le timing là. L'arme verte elle est où? Elle est en dessous mais yep. Oh punaise non! Faut que je trouve un passage. Oh ici. Non pas du tout. Ah merde. Ok bon j'ai pas J'ai pas trouvé l'accès pour l'arme. Bon, en vrai, j'en ai pas besoin, mais c'est qu'il me faut de la thune en fait. Surtout que j'ai besoin de thune. Ok, ça c'est tout bon, du coup je peux activer. Oh my god, amazing! Less amazing. Ouais, j'ai fait ça beaucoup trop tard. Putain, t'es beaucoup trop stylé que ça retombe sur la tronche. T'es pas visé, bro. Je vais mettre mes petits trucs comme ça. Je suis morte, Non, je suis pas morte. Gère trop. Trop strong. Ok, c'était rigolo. Y'a un truc qui me gêne, mais arrête t'embêter. Ah, je vais prendre des problèmes. Le disjoncteur, je l'enlève. Est-ce que je peux l'enlever? Merde. Non, mais moi, je veux aller dans le portail là. Je veux d'abord aller là-bas. J'en viens. J'ai pas besoin d'y aller, c'est ça. J'ai pas du tout. Mais alors pas du tout besoin d'y aller. Je sais pas pourquoi. J'avais ça en tête. Et là? Là-bas qu'il y a un truc qui m'intéresse? Non, c'est d'où je viens. Aïe, magic ruined. Ouais. Ouais, je sais pas ce que j'espérais en me collant à ce truc. Aldier pour protéger des attaques de zombies. Non mais c'est pas Aldier, moi c'est ça moi. C'est un autre bouton. Bon app, petit trapil. Salut, Kinos. Oh, Wolverine. Il a step up, Wolverine. Et du tonnerre. Non mais là, j'ai tous les éléments, là. Si on était dans Genshin, je pourrais tout combiner. Réparer. Ah, je peux... Ah, ok, d'accord. Déjà, on répare. Et du coup, je peux... Ah bah non, j'ai plus... Je peux pas égaliser. Mais attendez, réparer dans un établi, ça me prend des sous. Genre l'établi, il a un petit distributeur et je mets des sous dedans.
C'est bizarre. En tout cas, je viens de réparer. Ça m'a demandé... ça m'a pris de la thune, en fait. C'est bizarre. C'est pas réparo silence, là c'est plutôt arnaco. Établi qui t'arnaque des thunes pour te réparer. Attendez, je m'aime bien. Dans une zone où tout le monde est trop level pour moi. Ah, ça, je vais tester. Oh, c'est long. Oh, par contre, le bruit des impacts est dégueulasse. J'adore. Oh, vous entendez? Oh, écoutez-moi ce bruit d'os qui se casse. C'est stylé. Par contre, je vais m'écarter en vrai. Punaise, on ressent un peu là les vibrations jusque dans le corps. Je me suis pas très bien prise. Oh mais c'est trop mignon ça comme lampe. J'aime bien ce décor. Il a même les bruitages. Ouh. Attendez. Qu'est-ce que... Ah mais ils viennent de... Je suis coincée. Je suis complètement coincée. J'arrive pas... Ah voilà. Ouais mais sauf que bon, j'ai pris très cher mais j'étais coincée. Oh, joli. Okay. Qu'est-ce que je fais là, moi? Continue à explorer, d'accord. Ma mission, elle est simple, moi. C'est un truc que je comptais faire de toute façon, mais... Attendez. Là, je viens de me rendre compte. On est dans un studio de cinéma. Voilà. On est dans un décor de studio de cinéma. Et là, on a littéralement des figurants et des acteurs déguisés et enterrés dans le décor de cinéma qui sortent par la terre. C'est un peu surprenant. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils faisaient, enfin comment ça se fait qu'ils sortent de la terre? Par contre là ils sont nombreux et je fais pas assez de dégâts je pense. Ah j'ai plus de soins. J'ai plus de swing. Je sais plus où c'était. Les décors de ciné, ils se ressemblent tous. Dernier recours, elle jette ses pantoufles. Non, jamais. Comment ils font mes pieds? Je sais plus où il était, les habits. Non mais je tourne, je vais exactement au même endroit depuis 5 minutes là. Oh ici. Oh l'arme. Ah mais en fait j'avais vraiment pas besoin de faire grand chose. Genre l'entrée elle était immensément ouverte. Et j'y suis, j'ai pas vu. Je sais plus où il est l'établi. Je vais m'en aller je crois. Tant pis, tant pis. Je peux pas envoyer un truc. Non mais ils vont me taper pendant que je suis en animation.
C'est bon là. Merda. Oh, pourquoi je paniquais? Ah oh, mais j'ai de la vie, comment ça se fait? Ah, oh, il y a un établi ici. Il était littéralement... J'étais... Alors je cherchais un établi depuis cet endroit. Littéralement. Non mais c'est pas grave. Voilà. Ah je suis bien là. Les zombies dès qu'ils ne crient plus, tu regardes ton âme en disant ça marche plus. Comme dans Rrr. Je me rappelle pas. Je me rappelle mal de Rrr. Mais oui, c'est possible que ton arme ne marche plus dans ce jeu. C'est totalement possible. Ok. Encore. Je continue à explorer du coup. L'avènement du dieu araignée. Ok. Oh, yeah, oh punaise, il y avait des trucs à faire ici. Pierre, présent. Ah, on est. Ah, oui, d'accord. Mais non, like mais c'est pas vrai. C'est un décor de cinéma, ça aussi, encore, non? Ah non, pas du tout, merde! Non mais là, pas désolé, c'est vert vif. Enfin, Ah oui, je sais, c'est chelou comme argument, mais ce que je veux dire, c'est que bon, ça fait décor de ciné. Hein? Avouons-le. Effet spécial pluie. Get out of here, ah, du coup, c'est plus corrosif. Oh, mais c'est con, parce que bah, je peux passer par là. Et hop. Ensuite, c'est toujours corrosif. Ça sert à... J'appuie sur des boutons. Ça sert à rien. Ah mais y'a plus de zombies là. Y'a plus de zombies là. Le clan des cheveux sales contre le clan des cheveux propres. Oui. Choisis autre chose. Arrête! Arrête! Et là, la porte est ouverte, d'accord. En fait, vraiment, vu que c'est très scripté, bah du coup, des fois, les portes, elles s'ouvrent que quand tu as tué un zombie. Et pas quand t'as trouvé une clé ou un truc comme ça. Immunisé, bah, il était immunisé à mon feu parce qu'il était déjà tout cramé. Mais moi je pense qu'il pouvait plus se cramer. Hein. Ah, il est plus. Ouais, là j'avoue son immunité là, il se la garde. Il se la fourre un peu dans le derche là. Oh putain! On vient de buter Jared Leto. Oh, ce bruit de dessin animé quoi. Ok, là, les... Attendez! Deux secondes, là! Oh! Ça va? Je mets autre chose. Ah, je me la pète! Je vais me la péter longtemps, moi. Tu... Arrête! Pyromane acharné! Ah! Ça va. Maîtriser. Mais ça aussi, c'est un peu un décor. Bon bah je vais continuer à explorer hein. Le jeu m'a dit c'est ça. Dommage d'explorer tous ces décors en pleine nuit quand même. Et dommage. La musique me dit qu'il va y avoir du monde au sortir de la caravane. Mais le problème, c'est que le gars qui est derrière, bah en fait là, je vais jamais pouvoir passer. Là, je suis coincé là.
qu'on t'arrête un peu? Non! Arrête! Non mais ils sont 14! Oh les cheveux! Oh mais la coupe qu'il a quand même le zombard! Zombie, il a ma couleur. Mais lui, ça brille plus. Salut Didi Belle. Je suis un peu deg là. Je saurais pas pourquoi. Je saurais pas lui dire pourquoi. Ça dégoûte. Alors. Bon. J'ai raté 1000 trucs. Mais j'essaie de bien fouiller, hein, comme Dylan l'avait dit. Accessoire de Space Fox Rookie. Qui fait accessoire de Space Fox 2250. Elle dit, mais on peut avoir, ne plus jamais avoir les infos? Là, regardez ces fenêtres-là, elles apparaissent tout le temps. Je pense que c'est dans... Ah, notification didacticielle. Base, non. Je veux les désactiver. Tu peux? Bon bah non, je sais pas. C'est d'option. Message journal, petite indication centrale. Quoi centrale? Ah oui, non, ça je veux. Information santé zombie, lieu d'interaction. Information objectif de quête. Bah j'aimerais bien juste pas le tuto en fait. Message radio, journal, message, petite indication centrale. Et on a notification centrale. Indication centrale et notification centrale. Et ça va. Bah je sais pas. Je sais pas comment plus avoir le tuto. Bon. Mais c'est comme ça pour le moment. Et sinon tu as été mordu. J'ai pas été mordu. Enfin si, je crois au tout début du jeu. Si, j'ai bêtis. Mais pas depuis quoi. C'est du passé ça. Ah, l'objectif. Il est là-bas. Ah, j'ai des compétences ? Mais après qu'il m'ait été donné dans la tronche. Mais je l'ai séparé. Dans le vide. Mais... Oh, ça paraît loin, non? Je reprends super loin. Voilà, il y a un point. Tu es tout là? Mais je crois hein. Mais pourquoi la porte elle est fermée? Mais merde. Mais je comprends pas hein. Ah, la porte elle est fermée. Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille où? Mais vous étiez mort vous. Ah ouais, j'arrive plus à parler hein. Oh fermez là. Des problèmes. On commence tout là déjà.
Juste que je les tape quand je viens de faire ça. Et lui, je l'achève. La boîte, ça bouge. Mais tout à l'heure, la porte s'est ouverte. Mais je crois qu'il faut que je tue tout juste. Ici. Ah, c'est rien du tout quoi. Oh, ça dégoûte. Ah, fallait peut-être que je fasse ça. Que j'active tout. Et je vérifie d'avoir un oublié. Ouais, on va dire que ça va. Et là, je vais là. Coucou. Coucou. Ça va, Kirito? Voilà, là il y a lui. Je fais ça. M'a saoulé, toi. Et là je peux passer. Non. Vraiment? Pourquoi? Et là je peux passer. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi je réapparais ici? Oh mais il y a une... Oh mais il y a une porte! Ah ouais! Mais j'ai pas fait ça tout à l'heure! Mais la porte elle s'est ouverte comment alors? Il y a des trucs que je comprends pas. Mon jeu de survie préféré! Ça rentre dans les jeux de survie en vrai. En frais, hein. Genre Dying Light plus, je pense. Dead Island, on est sur de l'action, hein. Action un peu... quoi. Ok, je suis pas allée ici du tout tout à l'heure, hein. C'est juste à le dire. J'en ai déjà trop. Oh, mais je suis même pas montée. Tout ce que j'avais pas fait. Et quoi? Oh, une fourche. Oh la fourche. Mais un truc là. Tu crois que je t'ai pas vu toi? Comment on faisait le coup de pied? Comme ça. Dans ta gueule. Tiens. Le French cancan sur la tronche des zombies. Petit établi ou pas ici? Non, je pense pas. Non, non, on se tire, on se tire, on se tire. On se tire. Oh. C'est toi que je devais retrouver? Footprint. That's more like it. Ah ouais? Last of Us là, non. Alors je sais pas si Kirito il répond à Stevie ou à moi, un truc que j'ai dit il y a longtemps. Enfin, longtemps, un truc que j'ai déjà oublié. Which way now? The Last of Us, Last of Us, Last of Us. Warprint. Ça rentre dans le survival horror, The Last of Us? Survival? Je... Ouais, ouais, sûrement, sûrement. Ouais, j'avoue, plus. Pour moi, là, Dead Island, c'est trop action, presque arcade, on va dire, dans le côté vraiment, on te fait faire, on te laisse faire tous les dégâts que tu veux, éclater tous les zombies que tu veux.
corrige ma phrase. Ah d'accord. Eeny, meeny, miny, mo. Eeny, meeny, miny, mo. Oh ça c'est du... C'est pas de l'eau ça. Ça c'est du truc qui va être bien avec, avec ça, ça. Ah toi. Oh il... Ah non je crois qu'il y avait un truc en flamme. Ah faut que je fasse ça. Attends, j'avais pas prévu. Attends. Bah je vais faire ça déjà. Ensuite je vais faire ça. Ensuite je vais faire genre... Je vais tomber. Un peu comme une merde. Ensuite je vais faire genre ça. Guerre, guerre. Zombar qui me bute. Left 4 Dead et Dying Light. Ouais, mais Left 4 Dead et Dying Light, je les trouve. Je trouve la mort plus punitive. Et pour moi, d'où le côté survival. Dans Dead Island, la mort n'est pas vraiment punitive. Je trouve. On tue des zombars là. J'aime bien. J'aime le jeu où on découpe du zombie frais. Ouais, je comprends. Non, mais c'est en fait, c'est que la définition de survival horreur là, j'ai jamais trop su à quoi ça correspondait. Est-ce qu'à partir du moment où on massacre du zombie en masse, c'est du survival quand même? Ou est-ce que dans un survival, faut qu'il y ait une notion de. C'est un peu chaud de survivre, t'as intérêt à faire gaffe. Genre Resident Evil par exemple. Et ben Et ben c'était chaud quoi. Les sauvegardes étaient comptées, tout ça, je galère avec mes balles. C'était punitif. Enfin, ça dépend. Allez, c'est pas le pire, hein. C'est voilà, mais enfin, c'était. Je parle du dernier que j'ai fait, le remake du 4. J'ai pas de soin. J'ai la sauce. Attends. Attends, lui il est mort lui. Ok, maintenant je te fous tout. Hop là. Ok. Faut pas que j'avance. Attendez. Je mets du feu. Je découpe. Vous avez vu tout autour. Je fais ça de manière intelligente. Vous savez comme quand on coupe un tronc et on se met un peu autour. On fait ça quand on découpe un tronc en fait. J'en sais rien, jamais découpé de tronc. Rendez-vous administratif stressant. Demain à Kirito. Bah, bon courage. J'espère que ça se passera bien. Pourquoi il y a des ombres? C'est quoi l'histoire? Peut-être pas d'histoire, pas des masses, non. Dans le premier, c'est le début de l'affection, et là, on est à la suite. Suite plutôt directe, d'ailleurs, du premier. Et dans le premier, je me rappelle plus trop s'il y a une explication, j'avoue. Il fait trop peur. Vous avez vu sa tête? Ah, je me tire. Mais c'est pas de soin. J'ai peur. Des fourrés en gros. Ouais, pour le coup, là, c'est comme pour Left 4 Dead. Et Back 4 Blood. On n'a pas trop d'explications. Le bruit des notifs. Je sais, c'était ça. Faut que je baisse ça.
Horrible, horrible ce son, horrible, ça fait... J'aime pas. Ça nique l'immersion. Toujours le Covid encore et encore. On t'a récupéré Sako? Non. Et apparemment elle la récupérera pas avant... avant le 6 juin. Dans un mois quoi. Non non, elle a eu vraiment que des mauvaises nouvelles. À ce niveau là. Je comprends pas comment c'est possible en fait. Je fouille un peu pour voir si je trouve au moins des barres de céréales que j'aurais pas vues. Ah mais faut que j'aille par là en vrai. Ouais, faut que j'aille par là. Pourquoi? Non mais ça on s'en fout. Arrête le tuto. Arrête de me dire des trucs que je sais. Et en plus la touche n'est plus la mode, mais n'est plus la bonne, mets-toi à jour. Le tuto, tu m'embrouilles. J'aime bien sauter des escaliers comme ça. Oh! J'ai bientôt plus de compo pour en faire. Alors looter. Du coup, faut que j'aille par là alors. Je sais ça. The Rise of the God Spider. Director's Note 0205. Must be delivered 0405. Pourquoi je fais ici? Je fais la piste de Michael. Ah ouais. Et j'ai loupé des trucs, c'est juste que je suis... Quand il y a un gros point jaune sur mon écran, je suis attirée. Ça va être fermé du coup. Ouais, je connais. Oh! Oh! Je devrais peut-être prendre des trucs comme ça qui ont une bonne portée. Plutôt que de prendre des trucs qui ont une portée pourrie. Genre ce que j'ai dans les doigts. Voilà, faut... je vais essayer d'au moins looter à l'extérieur, même si l'intérieur, bonjour. J'avais un peu ma claque à force de refaire le truc, mais. Mais au moins, on va essayer de bien looter ici. Pour avoir des produits chimiques pour me faire des soins. Ou looter des soins. Alors là, j'ai un triton. Un bidon. Comment ça s'appelle ça, hein? Une fourche. Non, une fourche et un trident, ça a 3 dents en vrai. Non, une fourche, ça a 4 dents. Ça, c'est une mi-fourche. Ouais. Elle n'est pas en ADLC, c'est ça? Non, elle est fibrée. Elle est fibrée en T. Mais ils ont fait des trucs, des travaux, des machins, et apparemment ça c'est plus long que prévu, c'est des complications. Je vais voir ce que je peux faire comme amélioration sur la fourche. Ah, je peux faire du coup le mutilateur. Dégâts physiques, les coups successifs appliquent aussi l'effet affaibli. Embrasé. Affaibli... Toucher un zombie affaibli restaure de l'endurance. Oh, c'est pas fou quand même. Ah, oh, mais c'est pareil en fait. Ah non. Non, mais l'effet affaibli, ça fait quoi en plus de restaurer de l'endurance? Alors, mets un dot, j'espère. Je vais essayer. Je vais essayer sur la fourche. Au pire, je pourrais changer. Bravo. Renfort ou amplification. On augmente les dégâts. Augmente la durabilité et la force, mais réduit la vitesse. Non, je veux un truc qui augmente les dégâts et qui soit rapide. Et du coup, c'est ça. Je vais le mettre à la place de genre ça. Voilà. Ça, ça dégage. Ça, je vais recycler ça. Et d'autres trucs, je les vendrai. Il me faut des sous. Ok. Alors, attendez. Faut que j'aille dans mon inventaire et là, on déplace. Là, je le mets à la place de ça. Quoique ça c'est une arme bleue en fait, je devrais pas la laisser de côté. Mais ouais. C'est une arme bleue. Peut-être la mettre à la place de mes de ça pour le moment. Et ça je le mets là. Et ça je le mets là. Et ça je le mets là. Ouais c'est bien ça. Ah ouais c'est bien ça. Oh,
Vous avez vu les dégâts en vrai de ça? Bien quand même. Bien quand même. Est-ce que je peux mettre à niveau des trucs? Non, c'est trop cher. Ouais, ouais. Du coup. Ouais. Ok. On va tester ça. J'ai glissé. Alors, faut que je trouve un moyen de passer de l'autre teco. Je vais fouiller un peu quand même. Ça fait 15 fois que je dis ça au moins depuis le début du live. Bah là, j'ai déjà fouillé. Bah non. Enfin, oui, peut-être, mais vu que je suis morte entre temps, ça va peut-être pas compter ou je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça se passe. Alors, j'ai la piste de Miracle, mais je peux pas passer. Est-ce qu'il faut que je passe genre par là et que j'essaie de faire le tour? Ou est-ce qu'il faut que j'escalade? Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tout est bien keblo comme il faut. Moi j'aurais tendance à dire que peut-être depuis l'intérieur je pourrais aller derrière. Parce que là si je reteste, c'est toujours pas bon. Et y a pas de... Pas de feinte quoi. Ah, oh, ça fait de l'électricité. Ça marchait? Non bah non, ça marche pas comme ça la vie, Lox. C'est un truc, ça fait des éclairs, ah, c'est bon, j'ai réparé. Mais du coup, elle fait quoi en T? Qu'est-ce qu'on faisait avant internet? Bah, elle utilise l'internet de son téléphone. Elle a eu des data en plus. Des données, des gigas en plus, quoi. Par son opérateur. Et elle joue à... Ah, Honkai Star Rail, je vais y arriver. J'arrive pas avec ce nom de... Honkai Star Rail. Heureusement qu'elle a ça. Mais bon, des fois elle va faire un peu autre chose quoi. Ce qui se comprend. Et puis on est plus seul. Habilité à intervenir sur une autre de la fibre. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Vendel. C'est SFR qui est intervenu sur la fibre. Et ils ont fait des trucs. Mais vu qu'elle allait chez Orange, et ben, en fait, ils ont subi ce qui a été fait. Ils ont basiquement pas le droit d'intervenir, genre. C'est ce que j'ai cru comprendre. En gros, le premier servi, le premier connecté, et le suivant, bah, déco. Le plus ancien qui a passé de place. Oui, c'est ça, en fait. Enfin, je pense qu'il y a un délire comme ça. Alors après, ils sont plusieurs à pas avoir des problèmes d'internet. Enfin, là où elle habite. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont tendance aussi à débrancher un peu... voilà. En mode YOLO. En disant, ah bah, ils sont pas chez nous. Oh, c'est bon, vire. Ça va, hémoglobine? Croyez-toi, tu... Il dit, tu croyais quoi, toi? Vous vivez dans un monde de bisounours? Et bah non... Bon, je sais pas comment passer, là, ça me gonfle. Est-ce que je peux escalader? Mais non, mais je peux pas escalader, là. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Michael came out this door and blocked it with a dumpster. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais je... Moi, je sais pas comment passer, hein. Et surtout qu'à chaque fois que je vais là, ça m'énerve, il m'indique de rebrousser chemin. Ah oui, voilà, il a bloqué cette porte, donc je peux pas y aller. Ah, sauvegarde, ok. Ah, peut-être en escaladant, je pourrais genre avoir une fenêtre. Un truc. En plus, du coup, je loot des trucs, bien. Je crois pas, mais non, mais il y a pas de fenêtre, en fait. Je vais quand même continuer à escalader. Voilà, je suis au sommet. On va redescendre, du coup. Non mais en fait c'est parce que c'est le point qui m'indique en permanence de rebrousser chemin quand je vais par là, ça me fait dire que c'est pas bon. J'ai peut-être un truc à faire. Pour ouvrir la porte. La porte s'ouvre par l'autre côté. Ah bon.
en fait, si tu me dis, moi. Du coup, faut que je passe de l'autre côté. Non, mais ça peut être que par là, en fait. Merde, Allez, je m'occupe pas du point jaune. Du coup, on a déjà fouillé par là, c'est pas bon, il y a pas de porte. Si on fait vraiment le tour par là, qu'on passe par ce coin-là, qu'on loot ici. Parce que pourquoi pas. Poudre à canon. Mais punaise, quand est-ce que je pourrais utiliser des trucs comme ça, moi. Qu'on répare. Parce que pourquoi pas. C'est réparé. Qu'on passe par ici. Là que, imaginons, je fais le tour comme ça. Là, il y a une porte. Est-ce que je peux passer par cette porte? Et pourquoi je ne peux pas? Tout à l'heure, elle s'est ouverte, je suis pas folle. Elle s'est ouverte quand il y a le mec en feu qui m'a poursuivi. Oh, pourquoi je dois passer? Ah, peut-être par là-haut. Ah, il y a une porte là. C'est vrai. Par ici. Là, on est bien, je pense. Là, voilà. Voilà. Non, mais c'est le point aussi. Alors que j'étais déjà passée par là, il me... Hein, bref, il m'indique des autres endroits. Et moi, je sais pas. Tchon. Tchon. Merde. Merde, merde, merde. Ta gueule, la voiture. Tiens, dans ta gueule. Ah non, attends. Dans ta gueule. Voilà. Attends. Attends, je... Ah mais c'était ici. Attends. J'aime pas bien, moi, cette arme, je crois. Bonjour. Je pars en décalé. Non mais non, cette arme est trop longue. Cette arme est trop lente. Attendez. Non, pas ça que je vais faire. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, après j'en vois. Je sais pas comment envoyer. Ça. J'ai enlevé ma lampe. Je sais pas comment j'ai enlevé ma lampe. C'est quoi les touches? C'était E. C'était A. Ah, c'était A. T. G. L. Ah non, évidemment. J. U. Ah, j'ai plus de lampe. Je sais plus. Ok. J'ai plus de lampe, mais c'est pas grave. Bien ça. J'ai sauté trop tôt. Là si je fais ça. Et là si je fais genre ça. Oh, ça les éteint. Non mais attendez, ça va pas là. Ah mais ils sont trop. Ok. Mais d'accord. Ok, on va faire ça déjà. Non, toujours pas bon. Je vais faire ça déjà. Ensuite, je fais ça. C'est cette arme que je veux. Je vais prendre ça. Il me prend très mal. C'est chaud parce qu'ils me tapent tous en même temps, mais pas tout à fait. Ça se passe bien. C'est ok.
Ouais, je sais que tu vas me taper. Je sais. Je m'en sortais trop mal, je crois. Batte de baseball ou le marteau? Ouais, mais j'en ai pas. Le katana, mais le katana, en fait, le problème, c'est que tous ceux qui... Mon katana, il est de feu. Et tous ceux qui sont déjà en feu, bah, ils s'en foutent du katana. Mais faut que j'y aille petit à petit, en fait. Là, j'ai eu des soucis. T'as pas décalé là. Ah, j'ai plus de temps. Ok. En fait, je crois qu'à chaque fois que j'utilise des soins, même si je meurs, je reviens pas en arrière. Mes soins sont utilisés. Mal au dos, il va finir par se faire infiltrer. Faut que j'en parle à la kiné, à la doc. Ah, si ça peut faire que tu vas mieux. C'est chiant, mais vaut mieux ça que rien. Fin d'attente pour ce jeu entre un procès à la con, Deep Silver et Techland. Pourquoi le procès? Pour la licence? Je vais pas aller par là tout de suite. Hein. Pour le moment, ça me gonfle et je vais aller essayer de me régénérer. Hein. Bi. D'exécute, ça me manque pas de la vie. Faut que je trouve de la vie. Dans les chiottes. Et du caca. Quoi ça? J'ai un tube d'échafaudage. Oui, d'accord, mais. Franchement, c'est pas intéressant de nous foutre le dume des l'engrenage. Ça fait peur celui-ci. Bon. Ok, on va mettre notre compétence parce que là il me faut des trucs. Je pars beaucoup, donc on va essayer d'utiliser ça. Oh mais j'ai un cri, putain, je l'oublie tout le temps. C'est V je crois. Oh la santé, il supprime les effets d'état. Mais c'est bien ça. Ça je m'en fous. Si il trouve du sang, on déclenche une forte explosion, c'est bien. Porter un contre, on rend plus de santé, mais c'est bien aussi. Bloquer d'affinité un bonus de résistance de force cumulable. Le cri peut-être. Forte explosion. Bloquer ce qu'il fait au bon moment de la santé. Et là si je fais, rend plus de santé, je vais mettre ça.
Comment? Porter un contre. Ah non. Pas bloqué du coup. Là j'ai quoi là? Appel à terre. Faire tomber un zombie par terre donne un bonus modéré de dégâts aux armes de... à distance. Lancer arme de... Bah j'ai pas d'arme de lancer donc pour le moment on va pas faire ça. Un bonus cumulable de dégâts, ça c'est bien. Là j'ai quoi là? Une direction pour éviter les attaques. Mais moi mon perso ne peut pas éviter. Donc on s'en fout. Et ça c'est quoi? C'est... Protéger des attaques qui rendent l'endurance et étourdis. Ouais ok ça c'est bien. Et sur E en l'air déclenche un puissant coup de pied. Sur E en l'air déclenche un fort coup de pied. Enfin, puissant, j'imagine que c'est mieux que fort. Ah faut que j'utilise mon V. Je l'utilise jamais. En fait, j'ai oublié que je l'avais. Non mais stop, voilà. Petit tapis là. Y'a un truc autour à côté? Non? Non, c'est bon. Okidoki. Ah mais attendez, là-bas il y avait peut-être un truc à fouiller. Ici là, j'ai pas regardé. Y'a ça, y'a ça. Ah ouais, des produits chimiques, ça peut me faire des soins. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci Soum-Soum. Merci pour le raid, c'est très mignon. Est-ce qu'il y a moyen de faire un petit slash ou tout pour Soum-Soum? Merci beaucoup, t'étais sur quoi? Allez. Non mais, et là j'aurais pu l'écrabouiller là. Coucou MacFab, bienvenue. Bon, je suis seulement sur ma deuxième soirée sur le jeu. Alors voilà, je suis pas trop avancée, je pense. SnowRunner, ah oui. T'aimes bien SnowRunner. Et ça s'est bien passé, ça va, c'était cool. Oh, attendez, je vais faire le slash ou doute quand même. Ah merde, tu es en QWERTY, c'est chiant. Hop. Merde, du coup je rate. Mais c'est sur SO. Oh non, je suis plus en QWERTY. Ah, compliqué, compliqué. Mais ça va, ça va, ça va. Et bah merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le raid, c'est très gentil. N'hésitez pas à passer par Soum-Soum. À cliquer sur le lien qui est apparu. Et allez, lâchez un petit follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vais mourir. Je suis vraiment à chier dans cette session. Ok, je suis revenue là où je voulais revenir. Et maintenant, faut que je continue à fouiller ici, mais je vais quand même me faire un... Oh non, je vais pas me faire 200 tout de suite. Il m'est sorti par la nuit, celui-là. Merci MacVap, c'est gentil. Ah oui, c'est vrai que j'ai un V. Mais ça fait quoi là mon V? Ça les a même pas stun. Genre c'est un ulti mais il fait rien. Je crie juste, j'engueule les zombies en fait. Merde. Putain c'est dur de parer au bon moment quand même. Ils ont un rythme des fois de... Oui. Ils ont un rythme un peu chelou parfois dans leurs coups. Pourtant c'est toujours le même mais j'arrive pas à m'y faire encore. Ah, j'ai déjà fouillé ici. Merde.
Ah, ça m'a rendu de la vie là. Ok, c'est bien. Oui, un soin. Qu'est-ce que je fais ici? Enfin, c'était pour retrouver de la vie surtout que j'allais par là. Hein. La piste de Michael. Bah, je. C'est quoi la piste de Michael? C'est la peinture verte? Parce que dans ce cas-là, je crois que je n'ai pas du tout suivi ça. J'ai suivi mon instinct. Mais un peu con mon instinct parfois. Oh, du loot. C'est bien ça. Du glaire vert et écrit Michael. On est sur une association d'idées que j'ai pas encore. Alors du coup il est là? Il est là dedans? Hey Michael. Ah oui il est là dedans. Bien joué mon instinct. En fait t'es super. He locked it behind him. Ah, grand fermé. C'est genre sa boîte développement de Dead Island 1 et Riptide. Ah oui Riptide. Tiens, je me rappelle. Techland, le studio de production et l'éditeur THQ Nordic. C'est le casier de développement dans un autre studio de développement. Vie active quoi. Vie active. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que le premier Dead Island 2 qui était prévu n'est pas sorti. C'est à cause de ses soucis juridiques. Récupérer, j'ai dit. Non, c'est pas. C'est F3, pas 3. Moi, je te répare toi. J'ai renversé en fait. En fait ça j'aime pas trop. Non bah non. Faut que je me fasse des soins. Non mais j'ai plus de quoi faire je crois. Un peu mais bon. Michael. Michael came this way, but so did the goop monster. Mais comment elle sait qu'il est passé ici? Parce que le glaire, c'est lui? Non, mais non. Where'd he go from here? Only way is down. Prenez l'ascenseur. Oh, c'est rigolo ici. Oh oui, il me faut du produit chimique. Il y a de la musique? Là, il y a une petite barre de soins. C'est quoi, tiens? Tu te notes. Pas de reflet. Ouais, bon courage pour ta sciatique, petit hémoglobine d'arc. Ça va pas être simple. He took the elevator? Oui, bah deux secondes, on fouille, nous. Ok, marqué, je vais voir quand même ce qu'il y a là. Trop, il y a trop de recoins, il y a trop de trucs à fouiller. C'est très cool, mais en même temps, on a l'impression de passer notre temps à rater des trucs. Ce qui est assez frustrant. Faut l'avouer. Ok, ça j'en ai déjà trop. Ok, bon j'ai un peu fouillé. L'ascenseur, mais c'est pas un vrai ascenseur hein. It's okay. Si no rush. Mais c'est un ascenseur de studio, c'est pas un vrai. Genre derrière juste, bah c'est des portes coulissantes. Et c'est tout. Ah, il y a des zombies. Des zombies. Attendez, il y avait un truc à faire. Attendez. Bonne Zoumzoum, merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Attendez, il y avait un truc là. C'est où? Il y a un truc à faire. Voilà. N'importe quoi. T'as rien fait du tout. Oh.
Il y a des rires enregistrés qui se déclenchent. Parce que comme on sait, ils sont déclenchés au tournage. C'est sûr, dans les sitcoms. Vous entendez ou pas? Contaminé électrique. Non. C'est chiant. Je m'électrise. Il y en avait là-bas, je m'en rappelle très bien. Voilà. Ça m'évite de taper dans mes soins durement craftés. Et là-bas, il y avait un... Ici, il y avait un Red Bull. Et là, il y a une autre barre. Merde. Non mais je... Non, me meurs de là, je fais tout le tour pour reprendre des soins. Au final, ça sert à rien, je meurs. J'attends un peu, ça me saoule. Ah, j'essaie de faire ça. Mais écoutez, t'es un peu. J'ai encore crevé. Y'a pas d'autre Red Bull. Né. Ah oui, je sais, je peux faire ça, tiens. Voilà. Un moment là, tranquillou. Tout le monde, toi. C'est quoi qui me tape encore? Ah, mais c'est toi. Oh, tous les soins, ils y passent. C'est pas un vrai ascenseur, y a aucun sens pour que ça mette du temps à s'ouvrir. C'est même souvent des gens qui les ouvrent et qui les ferment sur les côtés. Ça n'a aucun sens. C'est aucun sens. Aucun. Salut MacGyver. Oh, regardez comme c'est cool. Oh, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Oh, j'ai récupéré ma lampe torche. Je sais pas. Je sais toujours pas à la touche. Je sais plus. Bon, il faut looter un. Oh oui. On va fabriquer des kits de soins. Voilà, je peux plus en fabriquer d'autres après. J'en gaspille des tétracaisses. Mais bon, je suis dans une zone trop haut level pour moi. Je le sais. Inverser les deux, parce que je suis quand même plus à l'aise avec ça. Oh, c'est pour moi ça. Mais tout à fait. Poudre à canon. Il faut que je sache à quoi ça me sert. Stylé. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, ça va, c'est cool. Le jeu est cool. Ils ont confié au studio Jaeger en 2 ans avec un résultat pas si ouf et donc ça... Donc ça, ils ont relocalisé dans un autre studio. Studio Sumo. Ils sont occupés de Little Big Planet et Team Sonic Racing. D'accord, Kirito. Mais c'est Sumo du coup là qui fait ça. Le jeu.
suis pas au fait de tout ça, moi. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on fout? Bon, là, l'araignée, je kiffe. Hein. J'espère qu'on aura une scène trop stylée en dessous. Je pense que oui. Mon instinct de d'aventurière du gaming me dit que nous aurons une scène incluant cette araignée. En plus, on y va. Ah, attendez. Merci, MacIver. Michael, how far did you get? Voilà. Je veux qu'on la voit bien. C'est pour ma miniature de ma VOD, merde! Une arène des zombies en tant que boss, trop stylé. Into the line, goop monster. Attendez, j'attends que le point que ça affiche plus. Ah mais miniature, hein, moi faut que j'y pense maintenant, je galère avec mes miniatures moi. Voilà, ça c'est la miniature ça, je pense. Je pense qu'on est bien. Faudrait effacer le truc en haut mais c'est pas grave. Un petit peu, alors un petit peu sur le côté. Un petit peu sur l'autre côté. Hop. Ah pardon. T'inquiète. Into the line. Ça me fait rire des fois, il y a des annonces en plein milieu d'une scène de ouf. Je suis la merde. Moi je l'ai vu mais en fait le live l'a même pas vu. Miniature! Non, bof, pas ouf. Ok. Attention, cinématique, là par contre, je... God, what are you doing here? What are you doing here? Ouais, c'est toi, toi, tu fais quoi, toi? Je suis en train de boire, hein, je veux pas qu'il y ait un QTE, là. Oh, waouh! Oh, il s'est dépioté sur moi. Oh, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Fais-le. Ouais. C'est prévu. Je sais pas trop comment, mais on va faire ça, genre. Dans ta gueule, là, les INRZ. Ah non! Ok. Ah, de l'électricité! Ah, c'est pas fou. Ah, c'est... Si, c'est bien, mais c'est pas fou. Il faut que j'en fasse, Prends plus cher que lui en tout cas. Hein. C'est vraiment une idée tchotte. Je vais arrêter ça, je pense. Je vais faire autre chose. J'ai essayé de faire mon parage, mais je sais pas si ça marche pour les boss. Ouais, ça marche. J'essaie de mettre tous les dots que je suis. Hop là, de ta gueule. Ok, là on va faire ça. On va faire ça. Comme ça, ça épuise un petit peu là, tout ce petit monde là. On va mettre de l'eau. Quoi? C'est qui est méchant? Oh, y'a du feu! Arrête! Ok. Arrête! Oh la vache, y'a du monde! Oh la vache, y'a du monde! Bon. Je découvre le boss. Alors, je peux faire du feu. Je peux faire. De l'eau. Et. Michael? Ah ouais. C'est pyrotechnique. Lui. Donc, je peux faire du feu, de l'eau. Venin. Pas venin. Oui. Rien. Et ça c'est quoi? Rien. Et ça du coup c'est quoi? End of the line, goop monster. Rien. On va fouiller un peu, tiens. Oh! Est-ce qu'il y a d'explosion de camion?
Ah ouais. Et une cascade d'explosion de camion. Ça pourrait potentiellement m'intéresser, mais c'est lequel qui explose? C'est celui-là ou c'est celui-là? C'est celui-là, ça c'est sûr. Okay. On va essayer d'en faire quelque chose de cette info. Cascade d'explosion de camion. God, what are you doing here? What are you doing here? Me, I came to get... Genre l'assassin, mec. Fini mon petit truc. Look out! Oh, Michael, I got this. Hey, big guy. Whatever that is, we need to kill it. Yeah. Tant qu'il est solo, je vais peut-être pas faire la cascade d'explosion de camion. Je vais faire les spéciales pluie. Voilà. Hop là, attention, tu vas être un peu mouillé. Et là, je peux vous dire qu'il s'y attend pas, le gonze. Attends, les électrises. Alors c'est parfait parce que t'es pile poil pas du tout dessus. Attends. Ensuite. Merde! Elle a plus de... bientôt plus de kill. Ok. Et si je vous foutais tout un peu? Il m'a fait quoi? Il était bourré là. Attends, je ne sais pas faire. Et je mets ça genre là. Je vais tenter un truc. Genre ça. C'est vachement trop tôt. Je fais ça n'importe quoi. Si j'ai tué. Ah si j'ai tué deux zombies quand même. Bon quand même, ça fait. Eh bah quand même. On va prendre une barre de céréales maintenant. Et là on va faire ça. Tiroter. Arrête! Je fais du feu là. Merde. Bon là on va faire du soin maintenant. Je pense que c'est bien. Mais putain, putain, chaque fois je peux pas courir en plus. Ouais, je vais te lâcher le cul. J'ai appuyé sur le heal mais trop tard. Je vais pas lâcher le cul du coup. Je vais rien lâcher du tout. C'est pas grave. C'est pas grave parce que vous savez dans le gaming, l'important c'est pas la destination. C'est par où que c'est-il qu'on passe pour y arriver. Et tu racontes de boss Cyril. Bon, alors le camion. Strat intéressante. Arrête. Mais ouais, le vomito là, il me vise trop bien avec. Franchement, en vrai, toi quand tu fais un glaire, je suis sûr que tu galères. Salut signe blanc. Oui, c'est sur cette phrase que vous arrivez. Alors, là il y a d'autres effets. Venin, sur technique. C'est les deux mêmes que là-bas. Ok. Est-ce qu'il y a un autre camtar qui explose quelque part ou pas? Non, que lui, évidemment. Ok. C'est la faute de la manette ou ça lag, ouais. Ou la connexion. Le jeu il est pas optimisé là. C'est pour ça aussi, j'y arrive pas là. Je peux pas jouer là. J'ai combien de soins? J'aimerais bien savoir. Inventaire. Je vois pas. Objet de lancer. Ah, mais j'ai des shuriken et j'ai. Explosif. Ah, bah ce serait mieux. Oui, c'est bien ça. J'en ai 4, regarde. Ok, ok. Faut avec le cul, genre. Il a une phobie des humains, donc il réagit en vomissant. Ah ouais? Les gens qui ont des phobies, ils vomissent? Et si ta phobie, c'est de vomir? Excusez-moi, dans ma tête, ça s'est bousculé d'un coup, toutes les infos. J'ai plus su quoi faire. Du coup, j'ai préféré arrêter de parler. De toute façon, faut que je me concentre. Arrête. Mais putain, elle est gaz là. Oh ah, vite, c'est toi. Besoin. Et puis là. Oh, il y a une tétra. Je vous mets là. Arrête.
j'arrive. Moi j'arrive pas. Si en fait, un peu. Voilà, c'est ça que je veux faire. Là, je lui mets un autre dot. Pardon, j'ai voulu pas trop crier, mais c'était peut-être trop aigu tout de même. Alors, attendez, on va faire ma strat. Là, c'était bien ça. Bon, on met là. Non, on fait ça. Ah, je me suis coincée. Là, on attend. Ah non! Arrête! Attends, on explose. Arrête! Je me mêle, toi! Merde! Mais ils sont tous corrosés là! Ah, c'est dégueu! Dégueu! Point! C'est bien! Ok, maintenant je fais T! Et maintenant je lui envoie ça dans la gueule! Comme ça! Hop. Voilà! Ça c'était pas ça, hein! Où en est ma vie? On va dire que ça va. Je lui mets un autre dot. D'où? Attends. Attendez. Arrêtez! J'ai mes bombes. Non, j'ai pas mes bombes. Non, mais j'ai ça. Donc attendez, on bouge un peu. Je vais les foutre dans le feu. Merci, c'est adorable. Je vais les foutre dans le feu. Attendez, et là je fais ça. Non, c'est la pluie! Merde, j'ai mis la pluie! La pluie, ça crame pas trop, sauf si elle est très bouillante, mais c'est bizarre. Ah, j'ai raté. Oh, ah, c'est tout foiré. Arrête! Ma vie. Je me suis électrifié moi-même. Trop tôt. Giga trop tôt, ouais. Si ta phobie, c'est d'avoir des phobies. C'est phobophobe. C'est vos encouragements étaient trop mignons, mais trop tôt. Mais c'est mignon. Hydro plus électro. Oui, exactement. Exactement. J'essaie de combiner là, comme dans Genshin. M'appelle juste Signe si tu veux, cocotte. Ouais, mais Signe blanc, c'est trop classe en vrai. Même si, basiquement, c'est plutôt pléonastique. Ouais, je dis des termes comme ça. Bon. Allez. Matophobe, ça doit être un enfer. Matophobe, quand t'as peur de vomir, oui. Tout à fait. Enfin, si vous parlez de ça. C'est un del que j'ai un peu. Hein. Ok, je fais ça. Mais ça c'est corrosif! Ah non! On prend rien, je crois. Attendez, j'ai... Bon, hein? Non, il faut que je m'éloigne. Ah, faut que je mette la pluie! Je crois que si je mets la pluie, il n'y a plus de. C'est pyrotechnique. Et hop, ça. Je mets tout, parce que j'ai oublié. Hop, c'est ça. Aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je vais avancer un peu et je vais essayer de taper. Mais voilà, il y a ça autour, c'est chiant! Merde, j'ai raté là. Non, chiant. Ah là, mais là je... Mais putain! C'est un garci! Comment je fais là, contre ça? Il y a du gaz partout, je ne sais pas du tout comment l'éviter, je ne peux pas en fait. Ok. Alors, est-ce qu'on fait tout de suite l'explosion avec le camtar ou pas? Ouais, moi je crois que ouais, carrément. Donc je refais ça, hop là, là je m'en vais. Hop là, comme ça ils vont passer, voilà. Donc ils viennent un peu là, allez. Ils en ont rien à péter. C'est pas grave, je passe par là, je me dépêche, je vais faire l'explosion du camion. Oh, j'en ai eu pas mal là. Là il y a du diga. Oh, il y a du diga. Et là je refais une petite explosion parce que j'aime bien. C'est pas ça. Hop là, là dans ton bidon, hop là, là ça explose, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que... Ah, je fais ça.
Faut que je sache comment ne plus avoir ce dot de merde là. C'est ça, ça fait quoi? Ça ne fait rien, on est d'accord? Dis ça. Ah si, je crois que c'est bien. Ça c'est quoi? Boisson énergisante, c'est super. Bon, moi c'est bien. Arrête. Pas vraiment les pop-up, c'est chiant. Je vois pas la moitié de l'écran pop-up, va-t'en. Comment on les désactive ces merdes? En vrai, je peux trop l'avoir. Attendez, il a plus de vie. Attendez. On va tourner un peu. On va se soigner. Mais là, il a vraiment pas beaucoup de vie. Donc, il y a moyen. Massacrez-les. Bah, il est mort, je crois. Ah! Attends. Attendez, je vais les attirer. Si j'y arrive. Genre, comme ça, ici. Ensuite, si j'y arrive, je fais ça. Ok. Effet pyrotechnique, je vais faire ça. Voilà, et ça je fais ça après. Ah, je l'ai fait vachement loin. C'est... Oh non, aïe! C'est quoi qui m'a explosé? J'ai résisté, arrête, j'ai mis mes bras comme ça alors. Arrête! Ah! Vite, faut que je fasse ça. Pour me soigner un peu. Ok. Merde. Non, non, je vais crever. Non mais non, non mais il me faut asseoir. Sois. Va hein. Non mais toi là, toi t'as un truc sur ton dos là, toi je sais toi. Hein, arrête. Ok. Lui je fais ça. Et je m'en vais. Réussi. Bien non. Ils sont tous morts. Félicitations. Merci. Hématophobie de me... Et pas hématophobe le sang. Ah oui, hématophobe. Pardon. Oui, tout à fait. Hématophobe, peur du sang. Hématophobe, peur du vomi. Des os. Bon. Même s'il m'attaque là, j'aurais bien aimé me soigner. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, merci. Bon, j'arrête de tourner dans tous les sens. On a récupéré un plan, je sais pas ce que c'est. Oh, mais non, du loot là. Allez, voilà. J'ai une barre. Oh, mais il y a du loot partout. Et si ça se trouve à la fin de la scène, eh ben, je vais partir d'ici et je vais pas pouvoir loot. Alors, faut que je loot. Barre de céréales, ça c'est bien ça. Merci de m'indiquer le blocage, ça fait juste 56 fois depuis le début du live, merci. Those guys really need to up their personal hygiene. Merci de m'avoir aidé toi hein. Are you okay? I'm fine, just a bit hot. Et moi, tu peux me demander si je suis ok, non? Emma's Romero, but of course not. Look, medical supplies. Someone sick? No, no, well, not yet. It's not like insurance. Pourquoi il est trop bizarre? We'll need these to, you know, keep us safe. I am helping. Yeah, you done all right, man. You and Emma are pretty tight, huh? Just give me more than I can ever repay. Il m'a zéro aidé, ça dégoûte. What she needs. I can't protect her. I got a way out for all of us. You can help keep Emma safe. I just don't know if she can do what she needs to do. She can do anything. So you gotta show her that. Show her that. Sure. Yeah, okay. Okay. Hey, you're there? It's Sam B. Roger. Salut, Sam B. Heard you was in the hills. Me too. Got a line on some guns. Pew-pew! Sounds perfecto. No doubt. Come meet me. Mimitophobe, c'est la peur des vieilles. Non, c'est faux. You don't want to get bit. Well, you don't need to worry about that, okay? I'll be fine. Just go get those guns. Je rigole à ça. You good? Mm-hmm. Okay, catch you later. And thanks. Attends, moi je veux looter le matos un peu. Alors, on a récupéré des queutrues. Nouvelle carte, mais où? Ça me dit pas quelles sont les nouvelles. Ah là.
Oh, je marche les dents, donne un bonus mineur de dégâts aux attaques contre les zombies à terre. Ça m'intéresse pas trop, ça. Et j'ai un... J'ai pas un nouvel emplacement. No way, I'm Sacré Graal. Je l'arrête. Got it. Ça fait 1h41 de VOD. Je pense qu'on va arrêter la VOD là-dessus. Hop, sur la petite araignée. Des bisous VOD. Et puis nous, on va continuer tout de suite sur une prochaine. Bisous VOD.